Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle entre sur TSE. Nous sommes partis pour la première de la brèche qui s'appelle la grotte Brisejambe. Voilà, et qui se trouve au nord. Nord-ouest, hein, parce qu'on rentre par là. Bref, allez, on est parti, on va voir ce que ça vaut, la grotte de Brisejambe. En tout cas, c'est bien joli. Il y a des petits nounours partout. Je crois que ça va être chiant. Le mec qui débite. Bref, c'était pour la petite histoire, quoi. Donc, par contre, les chargements des grottes sont toujours aussi un peu lents, enfin, des antres. Ce que je peux faire, c'est faire pause, et puis on se retrouve, quoi. Voilà, comme par magie... Oh, putain, il y a des feux follets et tout. Oh là là. Comment qu'elle est? Oh, elle est pas si grande que ça. Allez, on est parti. Glyphe grandiose ardent. C'est bien ça. Ah, tiens, il y a un truc là. D'accord. Bon, bah, il aura jamais eu l'occasion de mettre le message. Tant pis pour lui. Bon, bah, je suis obligé de passer par là. Donc, faire attention à ne pas louper l'éclat, ça ferait chier. Putain! Ça, c'est parce que je l'ai pas lancé avant le combat. Ah, c'est mortel, quand je lance pas ma protection, c'est limite foutu, quoi. Ce serait pas là l'éclat céleste. Vous savez, ce qui se passe, c'est qu'en fait, j'ai la compétence qui est sympa, mais quand je dois fuir. Mais sinon, en général, elle me sert pas à grand chose, là. Ah, c'est de la vigueur, c'est ça qui est passé en vigueur, ça. Je ferais bien ça, en fait. Voilà. Ça pourrait être drôle. Alors, il y a juste un truc que j'aime pas dans ce que j'ai fait. Je vais vite changer ça. Invocation d'Edric, je vais le mettre justement. L'égidier, je vais la mettre en... L1, voilà, et je vais mettre l'appel de la tempête, la furie infinie en triangle. Voilà, comme ça fera un enchaînement, c'est sympa. Ok, ben voilà, on va partir par là. Comme ça, je fais tout le tour par là. J'espère tomber assez rapidement sur l'éclat. Regardez ça.
Hop, tac. Regardez cet enchaînement. Voilà. Ça me plaît bien. Merde. Ouais, bon, il y a quelques petites mises au point, il va falloir que je réorganise un peu mes sorts et tout ça, mais là je trouve que c'est déjà pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez, mais allez, cherchez flanc. Vachement efficace en fait, hein, quand il n'y a pas beaucoup de monde. C'est du mono-cible, hein, par contre. C'est pas du... Non, il est pas là, l'éclat. Putain, c'est chiant. Quand t'as des grottes comme ça, c'est chiant à voir les éclats. Oh putain, ça lui a fait un bon petit critique dans les dents. Ah bah il est là l'éclat, parfait. Oh, ça l'a achevé au sol. Ça l'a achevé au sol, parfait, j'aime ça. Petit coffre comme il faut. Voilà. Et même un petit sac et tout. Allez hop, vas-y, je prends. Allez, petite recette. Vas-y, suce le pouvoir. Ah oui, c'est vrai que je crois que vous avez pas dit qu'en fait j'ai utilisé deux points de compétence pour mettre en couture. En travail du bois. Donc en fait il me restait deux points de compétence et du coup je les ai mis en travail du bois. Voilà, j'ai fait 9 en travail du bois et expert en résine j'en ai fait 2. Enfin j'en ai mis un, voilà. On est mort en fait. Hop, je vais aller jusqu'au boss. Attaquez ! Le boss à mon avis va être là. Ah ben la voilà. Voilà, comme ça elle est morte.
On a accompli, on va avoir le petit succès. Voilà, le succès, le succès. Oh yeah, bien. Exploratrice de la grotte, parfait, c'est bon ça. Bon ben voilà les amis. Je regarde ce qui reste un peu. Bon ben voilà une chose bien menée hein. Ah ah. C'est bien, vous voyez comme quoi. Et voilà, bon on a fait le plein, c'est bien, c'est cool. On a fait le plein de bonnes choses. Bon, bon en tout cas les amis, j'espère que ça vous a plu. On va s'arrêter là parce que de toute façon il n'y a pas besoin. Donc je vous dis à la prochaine, n'oubliez pas le petit j'aime, le petit commentaire. On se retrouve pour la suite des antres. Allez, à plus tout le monde, salut salut.